Hey les petits potes, c'est Cider, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien en tout cas parce que moi ça va super et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un concept que ça faisait longtemps que j'avais pas fait. Je sais pas si ça se dit mais c'est pas grave puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo partage de collection. Et ouais, je sais pas combien de temps ça date la dernière fois que j'avais fait un partage de collection. Je pense que c'était quand je présentais mes boosters vides, mais encore c'était du meublage en vrai. Là, on parle d'un partage de collection de cartes. Vraiment, un partage de collection de cartes, ça fait longtemps que j'en ai pas posté sur la chaîne. Ça fait plus d'un an, je pense, hein. Je sais même plus c'était quoi le dernier. Donc, on va encore présenter du bloc-ex cette fois-ci, parce que c'est devenu un peu plus dur de trouver des cartes et plus cher surtout que ça l'était en 2018 ou 2019. Mais là, j'ai enfin complété une autre des extensions que je voulais compléter. Mais quand je dis compléter, attention, je parle seulement des Holoreverse. Le reste, ça viendra plus tard, mais il m'en manque encore beaucoup pour avoir tout le set entier. Mais je me concentrerai, comme je vous l'avais dit dans ces anciennes vidéos, je me concentrerai d'abord sur les cartes les plus rares, tout simplement. Donc aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, on va s'attaquer à Ex-Fantômolon, ou Holon, je ne sais pas, une des dernières séries du Bloc X sortie, donc en 2006. Et du coup, on va juste regarder les 17 premières cartes de cette extension que je trouve magnifique. Très honnêtement, pour moi, dans les holos du bloc X, je trouve que c'est la meilleure extension. Et surtout, les cartes en reverse, elles sont magnifiques. Vous allez voir, j'adore. Donc, comme d'habitude, hein, je vous montrerai les cartes et des petites anecdotes dessus. Voilà. Donc, c'est parti. On commence tout de suite avec la première carte du set, le Armaldo. Donc en full reverse, t'as capté, avec le titre en or et le nom de la série marqué jusqu'ici. Donc Armaldo, c'est vraiment une des cartes que je préfère du set. Donc je la voulais dans un super état. De toute façon, toutes les cartes sont vraiment dans un état propre. Je suis content de les avoir ramassées dans cet état. Et je galérais à trouver cette carte, vraiment. Mais du coup, l'arrière, vous voyez, il est plutôt pas mal. Hein. Ça serait du PCA, allez, du PCA 7 peut-être. Je vais la retirer vite fait, juste pour vous. Voilà. Regarde-moi cette illustration. Ça brille de partout. C'est ça qu'on aime. Donc j'ai eu cette carte pour 14 euros, mais ça devait être en 2019. Ça fait un petit moment que je l'ai. Aujourd'hui, je pense que dans cet état-là, bah, tu rajoutes facile 10 euros de plus. Hein. À 25 euros, je pense qu'elle part sans problème. Et 14 euros, à l'époque, c'était cher. J'avais vraiment hésité à les mettre, mais je l'avais fait finalement parce que je trouvais que l'état était propre. La deuxième est sûrement celle que j'ai dans le moins bon état, le Vasilis. Mais à l'heure où je vous parle, j'en ai commandé une autre qui devrait arriver bientôt à la maison, qui est dans un état presque aussi bon que le Armaldo. Donc le Vasilis, pas une de mes préférées clairement, mais elle reste pas mal. Voilà. Donc l'état, en vrai, je dis elle est pas ouf, mais ça va quand même. Enfin, genre, il y a pire. Il y a pire. Et cette carte, je l'avais eue pour 5 euros. J'avais acheté chez Alexis, des groupes Facebook. Si tu passes par là. Bah, tu te reconnaîtras, je pense. C'est à lui aussi que j'ai acheté d'ailleurs la carte suivante. Et sinon, histoire de cote, je pense que c'est à peu près le prix qu'elle vaut aujourd'hui. Hein. La cote n'a pas trop évolué sur cette carte-là. Donc, la suivante que j'ai aussi achetée chez la même personne à qui j'ai acheté le Vasilis, le Deoxys de type obscurité. Espèce Delta, voilà. Bah, je sais pas si vous avez remarqué du coup, mais elles sont espèce Delta aussi, les deux autres. Espèce Delta, qu'est-ce que c'est? C'est la carte qui est représentée dans un type différent du type du Pokémon de base. Par exemple, dans Garden Crystal, on a un Dracaufeu de type électrique, espèce Delta, parce que normalement Dracaufeu est de type feu, tout simplement. Donc voilà, Deoxys type. Enfin, je sais pas si c'est Deoxys forme attaque, forme vitesse. Je crois que c'est forme attaque, très honnêtement, sans être sûr. Donc celle-là, c'est celle, sûrement presque dans le meilleur état parmi celles que j'ai. Elle est très propre, là, comme vous le voyez derrière. Ce serait un bon candidat au PCA 8, très honnêtement, voire même au PCA 9. Je suis très content de l'avoir eu. Je l'ai payé 15 euros à l'époque et je pense qu'aujourd'hui, sa cote a à peu près triplé. Très honnêtement, je l'ai payé un petit moment, donc je pense qu'aujourd'hui, à 45 euros, elle pourrait partir sans trop de problèmes. J'en ai vu une presque dans le même état partir à 40 euros, donc voilà. La quatrième carte de ce set, c'est encore un Deoxys. Il y en a 4 des Deoxys dans cette extension qui se suivent. Cette fois-ci, on devine bien la forme du Deoxys. C'est le Deoxys forme défense. Donc, bah, j'aime beaucoup aussi là avec le fond. Je ne sais pas ce que c'est, cette tour en cristal. Deoxys de type métal. L'état, ça peut aller.
Voilà, là en plus c'est au flash donc on voit bien les défauts. Mais enfin, on verrait encore mieux si c'était un peu sorti de la sleeve. Je peux la sortir vite fait, voilà. C'est pas des cartes neuves donc je les manipule avec un peu plus comment dire, d'assurance. Cette carte, je l'avais payée sur les groupes Facebook aussi. Je me souviens plus du tout la personne à qui je l'avais achetée par contre. Je l'avais payée 6 € je crois. C'était un petit moment, mais c'était une affaire pas mal. Il faut savoir que je paye rarement les cartes le prix de leur cote. J'essaie tout le temps de trouver une bonne affaire. Parce que forcément, si tu mets le prix de la cote, tu trouves tout le temps ta carte dans la mesure du possible. Des fois, par contre, tu la trouves pas parce qu'elle est tout simplement dure à trouver. Mais en général, quand tu mets le prix, tu la trouves. Le but, du coup, c'est d'essayer d'avoir un peu moins cher, sinon c'est pas drôle. La carte suivante, l'avant-dernier Deoxys. Le Deoxys, forme normale. Donc, c'est mon préféré des 4 Deoxys qu'il y a. Vous verrez ensuite le dernier. Mais pour moi, c'est mon préféré. Il est simple, mais c'est bien efficace. J'adore cette illustration. L'arrière est pas mal du tout. Celle-ci, je l'avais eue à l'échange sur les groupes Facebook. Je m'en souviens très bien. Mais je ne me souviens absolument. Ah si, je l'ai eue à l'échange avec Quentin. Ça m'étonnerait que tu passes par ici, mais si tu passes par là, quand même, coucou. Coucou à toi, et merci pour cette carte. Et j'avais eu. Enfin. La carte que j'avais payée, on va dire, pour la mettre dans l'échange, ça faisait à peu près 7 euros. Donc on va dire que c'est comme si je l'avais acheté 7 euros. Et je pense très honnêtement qu'elle vaut bien plus aujourd'hui. Le dernier Deoxys maintenant, celui que j'aime le moins. Mais celui aussi que j'aurais le plus galéré à trouver. Le Deoxys de type électrique. Celui-là, je l'ai acheté sur les groupes Facebook à Justin. Et je lui ai acheté aussi une autre carte qui va arriver dans quelques temps. L'état. C'est ouais, ça va, mais peut mieux faire. Mais ça va. Globalement, quand je dis ça va, c'est tout le temps du excellent mini. À part le Vasilis, j'ai que de l'excellent état minimum sur cette extension. Et c'est cool. Je suis un peu plus indulgent sur le BlockX, mais écoutez, quand on trouve l'état qu'on cherche, on va pas cracher dessus. Donc je l'avais payé. Combien j'avais payé cette carte? Ah, c'est dur à dire. Je crois que je l'avais payé 8 euros. Je crois que genre, il m'avait fait deux cartes, je les avais payées 8 euros chacune, un truc du style. 8 euros et bon, elle doit bien valoir une quinzaine d'euros tranquillement aujourd'hui. La carte suivante, une de mes préférées clairement, je l'adore. C'est le Libégon de type plante. Alors le Libégon normalement est de type dragon, je sais pas comment il est représenté en général. Je crois qu'il est représenté avec le type psy en général si je dis pas de bêtises, voire le type combat, mais pas le type plante du coup. Et je trouve que ça rend extrêmement bien. J'adore vraiment cette illustration. Bon, là, vous voyez, il y a une rayure par ici. C'est bien sur la carte, malheureusement. L'arrière, par contre, ça va, ça passe. Lui, je l'avais acheté à un type sur les groupes Facebook qui s'appelle Anthony. Ça m'étonnerait que tu passes par là parce que lui, il traîne plus sur les groupes Facebook en ce moment. Mais en tout cas, je l'avais payé 10 euros. Et franchement, je la trouve sympathique. Il m'a dit qu'il l'avait sortie de booster, mais bon, elle est un peu plus abîmée que du sorti de booster. Mais elle reste quand même propre. 10 euros aujourd'hui, 30 euros. Ça me choquerait pas de l'avoir partir à ce prix. Ensuite, elle fait partie des deux cartes les plus chiantes à trouver de l'extension. Enfin, quand je dis chiante à trouver, c'est surtout cher. Mais elle est chiante aussi à trouver et très jolie quand même. Le Léviator. Voilà. C'est pas une de celles que j'ai le mieux conservée. Bon, celle-ci, on va la sortir un peu pour le plaisir des yeux parce que quand même, les mecs, cette illustration, elle en jette. Genre, regarde comme ça sur le côté là. Un Léviator bien dark, comme on aime. Là, ici, ouais. Là, ici, vous rêvez pas, elle est enfoncée ici. Mais c'est pas grave, parce que je l'ai quand même dans un état qui est pas dégueu. Quand on regarde l'arrière, ça va, ça passe. Celle-ci, la valeur d'échange que j'ai eue, j'ai dû l'avoir pour 5 euros de valeur d'échange. Et comme je vous disais, elle est chère et chiante à trouver. Dans cet état-là, je pense 35 euros sans problème, mais vraiment sans problème. Je sais même pas si je suis pas un tout petit peu gentil. Mais on verra. Enfin, on verra. Non, je compte pas la vendre. Bref. La 9e carte que j'ai achetée aussi à Justin, donc celui à qui j'avais acheté le Deoxys de type électrique. Encore une carte de type électrique, c'est le Kabutops. Et celle-là aussi, elle fait partie de mes préférées, clairement. Cette illustration, je la trouve absolument magnifique, vraiment. L'état est là, hein, c'est juste là. Les taches, ça vient pas de la carte, c'est l'illustration de base qui est comme ça. La carte, vraiment, oh, je l'adore, je l'adore. Je vous dis vraiment, elles sont super belles les cartes de cette extension. Par contre, ouais, je me souvenais que l'état avait plutôt mangé. On est presque sur le même état que le Vasilis. C'est dommage parce que je la trouve super belle. Mais vous voyez, ça fait au moins 1 an et demi que je l'ai achetée et je me suis dit, si j'en trouve une meilleure, je la remplacerai. Enfin, j'en ai jamais vu de meilleure pour l'instant. C'est vous dire à quel point ces cartes, on les voit rarement. J'avais dû bien chercher à l'époque pour les trouver.
Voilà. Ensuite, la carte que je préfère, la numéro 10, et c'est clairement celle que j'ai le moins vue de toutes les cartes de cette extension. Mais c'est pas la plus recherchée, mais c'est clairement celle que j'ai le moins vue et que j'ai vraiment galéré à trouver. L'œil pour roi. C'est ma carte préférée, clairement. C'est la seule qui est sous double sleeve parce que c'est celle que j'ai dans le meilleur état. Enfin, c'est kiff-kiff avec le Deoxys en vrai. C'est vraiment, vraiment kiff-kiff, mais c'est du très 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 bon. Ça pourrait avoir un petit PC à 8, ça je pense. Et regardez-moi cette carte, il pourra de type feu quoi. Vraiment trop 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 belle, j'adore. Cette carte, je l'ai. Bah en fait, elle était introuvable sauf à un endroit, je l'ai trouvée au calme. Par contre, je l'ai acheté en 2018 et j'avais payé 11 euros. Et je peux vous dire que 11 euros pour une reverse double Kex en 2018, bah c'était cher, vachement cher. Et aujourd'hui, si j'essayais de la vendre, je sais pas si c'est son prix, mais franchement, je la lâcherais pas en dessous de 50 euros si je devais la vendre. Parce que purée, qu'est-ce que j'ai galéré à la trouver. Et ceux qui font l'extension devraient me comprendre. Ensuite, la 11e, la carte qui m'a permis de finir ce set, pour que je puisse vous sortir la vidéo, la carte qui m'aura mis le plus de temps à trouver, donc, le Latias. Donc, j'adore aussi, clairement, cette carte est vachement belle. Et je me suis pris tellement de douille avec cette carte. Depuis 2018, j'ai vu au moins passer 5 fois dans des états qui me convenaient. Mais à chaque fois, il s'est passé un truc et j'ai pas pu l'avoir. Je me suis vraiment fait douiller à chaque fois. J'étais maudit avec cette carte. Et j'ai enfin réussi à la choper grâce à Gabriel. Je pense que toi, tu passeras par là par contre. Merci à toi. Même si tu trouves que cette carte, elle est moche. Tu préfères les foulards de noir et blanc. Merci de me l'avoir vendue quand même parce que j'en ai chié à la trouver. Dans un état vraiment clean. Et vu que c'est celle que j'ai achetée le plus récemment, c'est une de celles que j'ai payé le plus cher. J'en ai eu pour 25 euros pour cette carte. Et c'est à peu près sa cote. Elle vaut peut-être 5 euros de plus si tu trouves la bonne personne. Mais à l'heure actuelle, je dirais qu'elle vaut les 25 euros que j'ai payé. Mais ça ne me dérange absolument pas de l'avoir payé ce prix. Ensuite, la numéro 12. Après Latias, voici Latios. Donc je préfère clairement l'illustration du Latios à Latias. C'est peut-être aussi la couleur du bleu qui influe parce qu'elle est super belle. Enfin, ce bleu est super beau surtout. Donc ça, c'est clairement une des meilleures affaires que j'ai faites parce que cette carte, elle est dure à trouver. Et je ne l'ai jamais vraiment cherchée. Je suis tombé dessus une fois par hasard et je l'ai achetée. Donc je ne sais pas. Je connais pas la galère que c'est de la trouver, on va dire. Parce que du coup, bah voilà, j'ai saisi une opportunité et depuis, bah, comme l'état me convient, j'ai jamais cherché à la trouver ailleurs. Mais apparemment, elle est galère à trouver. Et j'en ai eu pour 5 euros dans l'état où elle est. C'est plutôt une bonne affaire. Je pense que sans problème, 25 euros comme le Latias, voire peut-être même un peu plus. Ensuite, la numéro 13, le Ammonistar, de type Psy. Voilà, toutes les cartes holo sont espèces Delta de toute manière. Donc, Ammonistar de type Psy, vachement joli. Vraiment, sur 17 cartes, il y en a 14 qui sont de la tuerie, on peut dire. L'arrière, ça passe. Je l'ai acheté à quelqu'un qui a l'habitude de traîner sur Card Market, je crois, mais alors. Impossible de me souvenir son nom, ça vient des groupes Facebook. Si jamais tu passes par là et que tu te reconnais, ben merci à toi. Ouais, là j'étais en train de regarder, elle est enfoncée ici, effectivement. Mais elle reste quand même propre. Et je l'avais payé 7 euros cette carte, si je dis pas de bêtises, il y a environ un an. Ensuite, l'avant-dernière carte, pas l'avant-dernière carte que je vais vous montrer, mais l'avant-dernière carte que j'ai trouvée. Je l'avais eue sur eBay, c'est le Roue Carnage de type électrique. Donc, on va dire, elle, franchement, c'est la plus commune. C'est celle que j'ai le plus vue en 2 ans et demi des groupes Facebook. Et pourtant, j'ai mis du temps avant de la prendre. Et c'est justement parce que je la voyais souvent que je la considérais pas comme une priorité. Je voulais me focus sur les autres d'abord. Et ensuite, il se trouve qu'elle a fini par devenir rare. Donc, j'étais un peu embêté. Et un jour, alors que je traîne sur eBay, je la cherche par hasard. Et pouf, je tombe dessus direct. Voilà. C'est comme ça, les mecs. Des fois, il faut juste compter sur la chance. Un beau jour, tu trouves la carte comme ça par hasard, alors que tu cherchais limite autre chose et tu t'es dit, vas-y, je vais la chercher au cas où. Ah, par contre, là, ouais. Ouais, bon, là, elle a un petit peu mangé, t'as capté. Mais à part ça, au niveau des points blancs, ça passe. C'est très bon pour du classeur, et de toute façon, elles sont toutes en classeur. Ensuite, la 15e, une des plus recherchées. Je ne l'ai pas payé si cher que ça, mais c'est clairement une des plus recherchées. Le Raichu, de type métal. C'est clairement pas une de celles que j'apprécie le plus, voire au contraire, je la trouve pas méga ouf. Même si, quand même, elles sont toutes jolies. Mais par rapport aux autres, je la trouve pas méga ouf. L'état est assez Kleenex sur celle-là aussi. Bon, mis à part. Aïe aïe aïe, dis donc, malédiction quoi.
Mis à part ça, l'état est propre. Je l'avais payé 15 € celle-ci, sans doute en 2019, et je l'avais acheté à Romain, si je dis pas de bêtises. Donc, si tu passes par là, Romain, merci à toi. Parce que quand même, ça fait plaisir. Je l'ai pas retrouvée après cette carte, donc je suis bien content de te l'avoir achetée à la base. Aujourd'hui, je pense qu'elle vaudrait, bon, elle est le double, on va dire. C'est vrai que j'oublie de donner les codes des cartes à chaque fois, j'oublie un peu. Bon, l'avant-dernière, sans doute la carte la plus recherchée de l'extension. Et celle pour laquelle j'ai mis le plus cher, mais en même temps, pas le choix. Ceux qui connaissent l'extension, vous l'aurez deviné, c'est le Rayquaza. Voilà, le Rayquaza de type O. Bon, alors, on va pas se mentir quand même, même si c'est Rayquaza, gna, je veux pas faire genre mon mainstream, mais quand même, l'illustration de la carte est passable, elle est jolie quand même, avouez-le. Voilà, elle est quand même sympathique l'illustration. Là, en plus, il y a le logo de la série juste ici, vous voyez, c'est le même logo que là. Donc, elle, j'ai mis 26 €, soit 1 € de plus que le Latias, et pourtant, je l'ai payé avant, mais en vrai. J'ai galéré à les mettre à l'époque, mais vous voyez, avec l'état arrière, en prenant du recul, je me dis que c'était pas une si mauvaise affaire. Vraiment, je suis même content de l'avoir eu. Si je devais tout revendre, en vrai, c'est clair que j'en aurais pour plus de sous que tout ce que j'ai acheté. Et j'ai acheté cette carte d'ailleurs à Jean-Mi, des groupes Facebook. Si tu passes par là, merci à toi. C'est vrai que j'ai acheté beaucoup de cartes des groupes Facebook. La dernière aussi, je l'ai achetée sur les groupes Facebook. La dernière, la voici, le Rafflesia de Fantomolon. Donc, oui, bah oui, évidemment que c'est de Fantôme Long. Je voulais plutôt dire le Rafflesia type psy. Bon, celle-ci, elle a juste pas un cadrage dingue, vous l'avez vu. Mais l'état, il est pas mal. Là, les rayures ici, c'est sur la sleeve, hein, c'est pas sur la carte. Avant que vous demandiez, hop, ça c'est pas. Et l'arrière, ouais, l'arrière, il passe, ça va. Et je l'avais payé, je crois, 10 € cette carte. Et franchement, je l'aime bien pour un Rafflesia. Bon, ils auraient peut-être pu mieux faire le Pokémon, mais l'illustration arrière passe bien au fond. Donc voilà, c'était la dernière carte de l'extension Fantomolon, enfin la dernière Holo Reverse. C'était quand même galère de rassembler toutes ces cartes. Moi j'ai commencé en 2018, du coup j'ai réussi à toutes les avoir sans trop galérer. Mais le commencer en 2020, ça serait vraiment plus compliqué. Donc ceux qui le font, bonne chance à vous. Bonne chance, je vous souhaite du courage et beaucoup d'argent aussi, parce que c'est pas la même chose de repayer ces cartes aujourd'hui. Voilà, donc perso je trouve que c'est une extension vraiment stylée. C'est ma préférée du Blockex. N'hésitez pas à me dire du coup en commentaire quelle illustration vous avez préférée. Si même il y a d'autres cartes que vous préférez dans l'extension, dans le Blockex ou quoi que ce soit, mettez un petit commentaire, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et puis j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Je continuerai à vous faire des partages de collection du coup quand je continuerai à compléter des sets. Voilà. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo les mecs. J'espère que ça vous aura plu. C'était Cider, à plus.